Allez, on y va, Thames Guitars de Martin Cannon. Donc, je revois au moins le premier mur, on l'avait déjà bien travaillé la semaine passée. Vous allez voir que c'est tout facile. On y va, on va démarrer du pied droit. J'avance trois pas en démarrant du pied droit. J'avance droite, gauche, droite. Je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Puis j'ouvre la pointe à droite. Je rassemble, j'ouvre la pointe à gauche. Je rassemble. Je recule ensuite en démarrant du pied droit. Je recule droite, gauche, droite, rassemble. Poids du corps sur mes plantes de pied. Et là, j'écarte les talons vers l'extérieur. Je rassemble vers l'intérieur, extérieur. Et je rassemble. Je refais. 3, 4. J'avance droite, gauche, droite, rassemble. Et j'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. Je recule. 1, 2, 3, 4. Les talons. 5. 6, 7, 8. Maintenant, je viens faire deux pas à droite. 1, 2, 3, 4. Je pointe le pied gauche à côté du pied droit. Deux pas à gauche avec un quart de tour à gauche. Côté, rassemble, quart de tour et je fais un brush. Désolée. Je fais un brush du pied droit. Ça va jusqu'ici? Est-ce que tout est bon de votre côté? Est-ce que le son c'est bon aussi? Je reçois du coup des messages me disant que ça ne va pas. Bon. Est-ce que ça va se mettre en route? Alors oui, donc je me permets également de couper un petit peu, on va dire, la danse, si je peux dire. Par chez nous, on a des gros soucis de son. Parce qu'on a des gros soucis d'internet. Ça fait 15 jours maintenant. Donc en espérant que ça continue pas. Voilà. Alors, est-ce que là, vous m'entendez tous bien? J'ai pas de retour. Le son... Ah, ça y est, Sylvie, son OK. Tout OK en Belgique. OK. Bon, bah écoutez, si ça a l'air d'aller, donc je suis désolée pour les personnes pour qui ça ne va pas. C'est peut-être du coup pas un problème de chez moi, mais peut-être de votre côté. Désolée. Donc, je revois du coup depuis le début. Alors, vous faites stresser. On y va, depuis le début. J'avance, pied droit devant. 3, 4, j'avance, droite, gauche, droite, rassemble, extérieur, rassemble, recule, droite, gauche. Droite, rassemble, split, extérieur, rassemble, deux pas à droite, 1, 2, 3, 4, deux pas à gauche, quart de tour et broche. Quand j'arrive ici, je fais un toast trot avant droit, pointer le pied droit et je déroule le talon au sol. Toast trot du pied gauche, pointé et je déroule. Je terminerai par un rocking chair avant droit, balance devant, je reviens, balance derrière, je reviens. Est-ce que là, ça va pour tout le monde? Coucou Carole! Ok, bon, si ça a l'air d'aller, tant mieux. Ok, je recontinue. J'en fais une fois le premier mur ou ça va pour vous? On l'avait vu la semaine passée. Donc, vraiment pas compliqué du tout. En fait, je me demande si c'est pas sur le PC que ça bug. Parce que je vois pas vos messages. Coucou Laurence! Oui, ça va. Après moi, je vais bien, je suis en forme. Ok, c'est bon, on y va. Du coup, en musique. Allez, c'est parti. Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Il y a du taf qui attend derrière. Allez, Ten Guitars. Petite musique assez rigolote. Allez, c'est parti. Play a melody beneath the stars. My 10 guitars will play.
Paul. Coucou Claude. Ok, super. Eh bien, écoutez, on continue. Là, vous avez l'air motivé. Coucou Nat. On continue du coup avec notre truck song. Une danse chorégraphiée par Stéphane Cormier. Cette superbe chanson. Super. Allez, on y va. On y va, on continue. No truck song, 32 comptes, 2 murs et 1 restart. Enfin, ils ont eu rendu 10e mur. On va du coup revoir cette danse. On va essayer... Non, je sais pas ce que j'allais dire. Ça n'a rien à voir. Dans ma tête, je me suis dit... Ouais, essaye de ne pas trop dépasser, sinon on sort du cadre. Et je sais pas pourquoi je vais vous le dire. Bon, enfin, soit. Du coup, on va démarrer sur un weave à droite. Pose ton pied droit à droite, croise ta jambe gauche derrière le pied droit, pose la jambe droite à droite, croise la jambe gauche devant. Pas chassé à droite, pas chassé. Back rock step pied gauche, pose ton pied gauche derrière, prends appui, reviens l'appui sur le pied droit. Je fais maintenant la même chose à gauche. Pose ton pied gauche à gauche, croise ton pied droit derrière. Pose ton pied gauche à gauche, croise ton pied droit devant. Pas chassé à gauche, pas chassé. Back rock step pied droit, prends appui, reviens appui sur le pied gauche. Je refais depuis le début. On y va à droite. 3, 4 et côté. Derrière, côté, devant et mon pas chassé balance. À gauche, côté. Côté devant, triple side, back, rock. Est-ce que ça va jusqu'ici? Normalement, oui. Hein. En plus, vous l'avez déjà revu pas mal de fois, celle-ci. Pas de souci, Annie Richard. Ok, maintenant que j'ai fini sur mon back, rock, je fais un rocking chair du pied droit. Pied droit devant, prends appui, je reviens, pied droit derrière, prends appui, reviens en appui sur le pied gauche. J'enchaîne deux kickball step du pied droit. Kickball step, kickball step. Je pose ensuite mon pied droit devant, poids du corps sur ma jambe droite. Et j'y incorpore en faisant un quart de tour, pardon, à gauche, des hula hoop. Donc on va partir avec les. En faisant des cercles vers la gauche pour pivoter en même temps un quart de tour. Je repose ensuite mon pied droit devant. Poids du corps sur ma jambe droite. Oula hop, je pivote un quart de tour, j'arrive sur le mur du fond. Quand j'ai fini mon tour, bien évidemment, je reste en appui sur ma jambe gauche. Je refais tout ça depuis le début. On y va à droite. 3, 4, le weave. Côté, derrière, côté, devant. Et mon triple side, back, rock. Et côté, derrière, côté, devant. Et mon triple side, back, rock. Cooking chair, balance devant. Balance derrière. Et mon kickball step et le kickball step. Poser, quart de tour, poser, quart de tour. On termine, on en appuie sur sa jambe gauche. D'accord? Ça va pour tout le monde? Ok. Je termine maintenant par un jazz box cross du pied droit. Croise ton pied droit devant. Recule le pied gauche derrière. Pose ton pied droit à droite et croise la jambe droite. La jambe gauche, pardon, devant la jambe droite. Merci beaucoup Christine. Alors donc on me dit encore une fois qu'il y a des soucis de connexion. Donc en tout cas j'espère que ça va pour le restant. Donc je pense que c'est vraiment de votre côté. Parce que là chez moi je suis en 4G+. Donc ça suit plutôt pas mal. Croisez les doigts, on va pas parler trop vite. Hein. On y va. On refait une fois le premier mur, on fera ensuite le deuxième mur. Et on se mettra en musique. Ok? Allez c'est parti. On y va à droite. 3. 4, le 8, côté, derrière, côté, devant, et mon triple side, back, rock à gauche, côté, derrière, côté, devant, et mon triple side, back, rock, rocking chair, balance devant, et derrière, kick,
et mon kick ball step et le kick ball step. Mon step quart de tour, step quart de tour, jazz box, jazz box, cross. Ok, on continue maintenant. Le mur du fond face à 6 heures. Donc on est à l'opposé de la caméra ou à l'opposé de l'ordinateur. Ok, on y va, on ouvre bien grand ses oreilles. À droite, le weave 3. 4 et côté, derrière, côté, devant, et mon triple side back. Rock et côté, derrière, côté, devant, et mon triple side back rock. Rocking chair, balance devant. Et derrière, le kick. Kick, ball, step. Step, quart de tour. Step, quart de tour. Jazz, box and cross. Ok, poids du corps sur ma jambe gauche, je peux ensuite du coup reprendre à droite. Quand on sera face à midi, aux alentours du 10e mur, vous allez entendre à un moment donné, il y a la musique qui un peu ralentit, comme si ça allait être la finale. Sauf qu'en fait, ils reprennent. Et oui, donc on l'entend, c'est gros comme une maison, hein, donc on l'entend bien. Et à ce moment-là, vous continuez, on garde toujours le même tempo, le même rythme, d'accord? Et quand on aura terminé face à midi, c'est deux kick ball step, avant de faire son step quart de tour, d'accord? Donc, dès que j'aurai fini mes deux kickball steps, je repars à droite. Le weave, côté, derrière, côté, devant. On fait son restart. Ça va pour vous? Ok, let's go. On y va. Bon, alors, si Nat a de la connexion, tout le monde a de la connexion. Allez, c'est parti. En musique. Let's go, les amis. No truck song. J'adore celle-là. Est trop jolie. J'aime beaucoup.
Allez, est-ce que tout va bien par chez vous au niveau son? Est-ce que tout est ok? N'hésitez pas à me faire un petit like pour me dire que tout va bien de votre côté. Ok, apparemment ça a l'air de bien se passer. Eh bien super, on va du coup continuer. On va continuer avec I Recall a Gypsy Woman. Alors les VIP qui étaient là lundi à mon Anivisio. Eh ben, on savent déjà de quoi je parle. Pour les autres, eh ben, vous allez la découvrir. Donc officiellement, ça va être vraiment la première fois que je l'explique, puisque j'avais un petit peu expliqué lundi. Mais donc, je vous rassure, j'avais rien consommé du tout. J'étais clean, si je puis dire. Hein, j'étais juste au jus de fruits. Donc on va vraiment bien revoir l'explication de I Recall a Gypsy Woman. Eh mais les cadeaux! Voilà. Il y a des cadeaux. Hop. Alors, je vous mets déjà un petit peu la musique pour faire découvrir à nos amis qui n'ont pas eu la chance d'être présents lundi de voir un petit peu sur quel style de musique on va du coup danser. I Recall a Gypsy Woman de Ricky Snell. Coins that jingle jangle, fancy shoes that dance in time. Oh, the secrets of her dark eyes, they did sing the gypsy rhyme. Ça va, vous avez bien entendu de votre côté? Merci fille. Allez, on y va du coup pour l'explication de I Recall a Gypsy Woman. Donc c'est une danse novice. On a 32 comptes, 4 murs et un restart qui va se situer juste au quatrième mur. Donc vous allez voir qu'on va vite le passer. Il s'entend aussi vachement bien. Bah, moi je l'entends déjà vachement bien. On entend que le chanteur recommence et ben, son refrain. Donc on va... J'ai mon chien qui tourne en rond. Alors, je sais pas, oui. Parce que t'as pas de corps, dis bonjour en fait, c'est pour ça. Oui, viens, viens, viens dire bonjour vite fait. Parce que sinon, il va pas arrêter. Ils sont là, les copains. Viens, ils sont là-bas. T'as vu? C'est bon? Tu leur dis bonjour? Oui? Allez. Maintenant, je vais danser. Non. Allez, tu me laisses tranquille? Oui. Allez, si tu veux te mettre là, tu regardes. Voilà. Oui, non, il va là. Voilà. J'en fais ce que je veux. Mais bon, il ne m'écoute pas forcément. Quand il a décidé d'être avec moi, il veut être avec moi. Donc, I Recall a Gypsy Woman. On y va. On va démarrer en avançant sur un toe strut avant droit. Toe strut avant gauche. Toe strut. Ben voilà, ça y est. Ça dure pas longtemps. Il aime bien être avec moi, mais pas trop longtemps. Donc, toe strut avant droit, toe strut avant gauche. Poids du corps sur ma jambe gauche, avance sur un step, lock, step avant droit. Step, lock, step. Pose ton pied gauche devant, step. Pointez le pied droit derrière le pied gauche touch. Pose ton pied droit derrière, step back. Et je fais un kick avant gauche. Suivez ensuite un coaster step arrière gauche. Coaster step. Je refais depuis le début. J'avance. Pied droit. 3, 4 et mon toe strut et mon step, lock, step. J'avance. Step, touch back. Step back, kick. Coaster, step. Quand je... Et t'as décidé de faire que ça, là, va te coucher. Je le sens depuis tout à l'heure qu'il fait des allers-retours. C'est parce qu'il ne sait pas où se mettre. C'est bon, je crois qu'il a trouvé sa place. Vous savez pourquoi il fait des allers-retours? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a sa peluche, son doudou qui est dans son panier, mais il est en plein milieu. Du coup, ça le dérange parce qu'il est en plein milieu de ton panier. C'est quand même terrible, ça. Hein, on dit souvent, hein, plus ça vieillit, et plus c'est chiant. Si je puis dire. Je blague, bien évidemment. On y va, j'avance depuis le début. 3, 4, et mon toe strut et step, lock, step. Mon step,
touch, back, kick, coaster, step. On s'est arrêté là, d'accord? Maintenant, j'arrive ici, je pose mon pied droit à droite. Step. Je ramène mon pied gauche par le centre. Donc, je fais mon full floor, puis je pivote un quart de tour pour poser mon pied gauche à gauche. Poids du corps sur ma jambe gauche. J'enchaîne ensuite sur un triple cross du pied droit. Triple cross. Pose ton pied gauche à gauche. Side step. Pointez le pied droit à côté du pied gauche. Et reposez directement le pied droit à droite. Side step. D'accord? Donc ça fait step, touch, step. D'accord? Je refais depuis le début. Avancez. Pied droit devant. 3, 4. Et mon toast. Et mon step, lock, step. Le step, touch it back, kick. Coaster, step, pose pied droit à droite, quart de tour à gauche, side, mon triple cross et mon side touch side. Et j'enchaîne sur mon behind side cross du pied gauche, derrière, côté, croisé devant. Ça va? Jusque là? T'es arrivé à suivre? Ok, maintenant je viens faire un rock step avant droit. Rock, step, triple back du pied droit. Donc, triple step arrière droit. Ensuite, je viens faire un coaster step du pied gauche. Coaster step. J'avance, marche pied droit. J'avance, marche pied gauche. Ok? Donc, j'ai fait mon side touch. Side. J'enchaîne derrière, côté, devant. Puis, je balance. Hop, step. Et mon triple back. Coaster step. Marche droite, gauche. Ok? Ça va pour vous? Ah, c'est gentil, Laurence. Ah, tu m'étonnes. Oui, les enfants, généralement, ils aiment bien en plus ces whisky. Bonsoir, Marie-Claude. Mais de rien, c'est avec grand plaisir. Et parce que du coup, ce matin, brièvement, je me suis aparté, j'ai été déjà faire mon cours avec les enfants aussi. Ou les enfants que j'ai aussi en cours. Et on a eu la chance de pouvoir se revoir ce matin. En dehors. Mais on s'est revus. On a bien dansé pour bien avoir chaud, mais ça fait du bien. On refait du coup toute la danse depuis le début. J'avance sur un toe strut avant droit. Toe strut, pied gauche, toe strut. J'avance, step, lock, step. Mon step, touch et back, kick, coaster, step. Et side, quart de tour, side à gauche. Et mon triple cross, mon side, touch et back, behind, side, cross. Et mon rock, step. Et mon triple back, le coaster, step, marche, marche. On s'est arrêté là. Il me reste un petit bout. Ça va toujours? On suit? Bon, ça va. De l'autre côté, ça a l'air d'aller. Maintenant, je refais un rock step avant droit. Rock step. Et attention, je vais faire un demi-tour. Donc, je vais aller du coup voir ce qui se passe à 3 heures. Triple step, demi-tour du pied droit. Triple demi. J'enchaîne soit un full turn vers ma droite. Donc, demi-tour, pose ton pied gauche derrière. Demi-tour, pose ton pied droit devant. Et je terminerai sur un triple step avant gauche. Triple step. Ou je fais mon rock step droit. Je reviens. Triple demi. Celui-là, je ne veux pas le changer. J'aime bien sûr. Puis ensuite, j'avance. Gauche, droite et mon triple step. Triple step. Ceux qui, en gros, ne veulent pas tourner, il y a une possibilité de pouvoir marcher. D'accord? On refait toute la danse premier mur et on aura, du coup, terminé. On avance, toast strut du pied droit, ensemble, 3, 4, et mon toast strut, et mon step, lock, step, mon step, touch it back, kick, coaster, step, et side, quart de tour, step, mon triple cross, et side, touch side, le behind, side, cross, balance, rock, step, et mon triple back, le coaster, step, marche droite, gauche et le rock, step, triple, demi, full turn, on marche, marche et triple, step. Et je reprends mon deuxième lien, toast, est-ce que ça va pour vous? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de pas qui sont compliqués. Oui, je le fais avec les comptes, Dani, il n'y a pas de problème.
On va se refaire une fois le premier mur avec les comptes. On y va. Depuis le début, 3, 4, j'avance, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, je tourne, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, marche, 7, 8, rock, 1, 2 demi, 3 et 4, full turn, 5, 6, 7 et 8, et je repartirai, 1 et 2 et, d'accord? On y va sur le deuxième mur, on y va, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4, j'avance, 5 et 6 et 7 et 8. Pose à droite, quart de tour à gauche et mon triple cross, le side touch side, le behind side cross et mon hop step et mon triple back, le coaster step, marche, marche, hop step, triple demi full turn, gauche, droite et triple step. Encore une fois le deuxième mur. Marchez, 3, 4 et 1. Et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, à droite, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, rock, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, marche, 7, 8, rock demi, 1, 2, 3 et 4, full turn, 5, 6, 7 et 8, d'accord? Ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant? J'ai pas très bien compris, Océane. Bonsoir, Chloé. Alors, je pense que c'est quand on fait le côté. Côté, un quart. C'est ça? Ok. Donc ça fait côté, un quart. Donc je pose mon pied droite à droite. Et en fait, c'est plus beau de faire côté, repasse pour pose ton pied gauche. D'accord? Plutôt que de faire côté, un quart. Vous voyez un peu la différence? Donc, je fais côté, ramène et je passe. Je m'arrête pas. D'accord? Voilà, c'est juste ce pas-là, je pense, qui doit coincer. Ok, super. On continue. Parce que je vois l'heure qui fait tic-tac aussi. Et j'ai pas envie d'empiéter trop sur les copains, surtout qu'on a encore une lourde choré qui va tourner juste après. Mur du fond, face à 6 heures. On y va. 3, 4, et le toast, trot, et mon step, lock, step. Mon step, touch, et le back, kick. Coaster step, pose à droite, calme-toi à gauche et mon triple cross, le side touch side et behind side cross, rock step et mon triple back, le coaster step, marche, marche et mon rock step, le triple demi, full turn gauche, droite et triple step. Ok, encore une fois le mur du fond, on comptage, 3, 4, j'avance, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, tourne, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, balance, 1, 2, recul, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et on arrive du coup au quatrième. Est-ce que ça va toujours? Oui. Ok, ça marche, Océane, pas de souci. On y va du coup au quatrième mur. J'avance, toast, trot, avant droit. 3, 4, et le toast, trot, step, lock, step. Mon step, touch it back, kick, coaster, stop. Quand j'arriverai ici, quatrième mur, restart. D'accord? Donc, je refais encore une fois depuis le début. Quatrième, 3, 4, et le toast, trot, et mon step, lock, step. Mon step,
touch it back, kick, coaster, step, pivot à droite, faire le tour à gauche et mon triple cross, le side, touch, side et le behind, side, cross, balance, rock, step et mon triple back et le coaster, step, je marche droite, gauche, balance, rock, step et triple demi, full turn gauche, droite, triple step. Ça va? Je vous aime beaucoup les amis. Et ça, je vais le retirer. Il y a un cadeau que j'avais eu pour mon anniversaire. Mais je suis trop près du mur. On ne dirait pas, mais... Voilà. Donc, on va du coup essayer ça en musique. D'accord? Il n'y a pas de grosses complications. Alors, mais ça va pas le faire si on me... Alors, attendez. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours où ça va pas tout le temps, en fait. Ok, on y va, on essaye du coup en musique. Voilà, désolé, ça va du coup sonner tout le temps. Comment est-ce qu'on fait déjà? Oui, je sais, oui. Voilà. Ça y est. On y va du coup sur I Recall a Gypsy Woman. Coins that jingle jangle, fancy shoes that dance in time. Oh, the secrets of her dark eyes, they did sing a gypsy rhyme. Yellow clover in tangled blossoms in the mare. She held me to her bosom, just a boy of 17. I recall the gypsy woman, silver spangles in her eyes, half her skin against the moonlight, and the taste. Last week. Spangles
jolie petite danse. I recall Gypsy Woman. Est-ce que tout se passe bien par chez vous? Hi, James. Allez, on continue pour notre dernière danse. Untame. Ah oui, je sais. C'est pas la plus simple. Je le sais bien. Mais ne vous en faites pas. On l'a déjà bien travaillé lors du confinement saison 1. Donc là, je vais un peu moins bien travailler. Enfin, pas moins bien. Je vais moins longtemps la travailler. D'accord? Mais bon, c'est aussi un petit clin d'œil pour mon club de cœur, les Wild Country de Bachan. Parce que, si je peux me permettre, on en a chié pour l'apprendre. Mais voilà, c'est un bon plaisir de pouvoir toujours travailler dessus. Je l'adore, moi, celle-ci. Mais étant donné que je suis un petit peu exigeante, je pense que vous êtes pas encore, vous n'avez peut-être pas encore remarqué que j'étais autant exigeante. Mais je suis exigeante avec mes danseurs et avec moi-même. Donc, je veux que ça soit presque parfait. Donc, forcément, on la retravaille longtemps. Untame. Bon, oui, je suppose bien que oui. Moi, je l'ai retravaillé. D'autres chorégraphes l'ont également. Bah, d'autres instructeurs aussi, animateurs l'ont retravaillé durant les différents lives. Donc, je pense que il doit y avoir des restes quand même quelque part. Donc, Untame, coucou le 78, le 78, comment on dit? Oui, parce que moi, j'étais en Belgique pendant une paire d'années, donc. Mais je trouve que c'est intelligent de leur part de dire 78 parce qu'en France, quand on dit 78, t'as déjà fait un 6 et après tu dois rebarrer. Enfin, soit. Donc, Untame, on termine avec celle-ci. Je sais, c'est du lourd. Je sais, c'est compliqué. Et je sais, je peux la revoir beaucoup. On va revoir au moins les parties et on la retravaillera au besoin. N'hésitez pas à me dire en MP. Pas encore apprise. Ah bah, bon courage. Bon courage parce qu'en plus, je vais la revoir. Je vais survoler, on va dire, partie A, B, C, D. On va dire qu'on va surtout se concentrer sur la A, après la B. En fait, plus on avance et plus c'est facile. Donc, il y a la A qu'il faut bien enregistrer, la B, la C, oui, bon, c'est un peu rapide. Et la D, c'est très facile. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. 32 comptes, ensuite on passera à 16 comptes, ensuite c'est 8 comptes, et ensuite on finit par 4 comptes. Voilà, partie A, B, C, D. Je vous le dirai, d'accord? Donc, partie A. On va démarrer par des heel strut du pied droit. Alors, tout à l'heure, on a vu les toe strut, où c'est la pointe et je déroule. Là, maintenant, c'est les heel strut. Heel strut, c'est j'attaque du talon et je repose ensuite la plante de pied, d'accord? Donc, heel strut pied droit, talon et je pose. Heel strut pied gauche, talon et je pose. Je fais deux kickball side. Du pied droit, kick, ball, side, je pose mon pied gauche à gauche, d'accord, ce qui est donc différent d'un kick, ball, step où on va aller plutôt vers l'avant, donc là je fais mon kick, ball, side, côté, et ça j'en fais deux, kick, ball, side, d'accord, je refais depuis le début, partie 1, 3, 4, et mon heel, strut, et mon kick, ball, side. Le kick, ball, side, poids du corps sur ma jambe gauche, c'est leur quart de tour à droite. Mon c'est leur quart. Maintenant, je vais avancer sur un step, lock, step avant gauche dans ma diagonale avant gauche. Step, lock, step, scuff du droit, step, lock, step avant droit, step, lock, step, touch. Pointez le pied gauche à côté du pied droit. Je recommence depuis le début. On y va, partie 1, 3, 4 et mon heel strut et le kick ball side. Le kick ball side et le c'est le 4. J'avance. Step, lock, step, scuff, step, lock, step, touch.
Ok? Maintenant, je recule le pied gauche dans la diagonale arrière gauche. Je pointe le pied droit à côté du pied gauche. Je recule le pied droit derrière et je pointe le pied gauche à côté du pied droit. Ensuite, j'enchaîne. Donc, toujours bien appuyé sur sa jambe droite sur un coaster step arrière gauche. Coaster step. Et sur out, out, back, cross. Pose ton pied droit dans la diagonale avant droite. Avance ton pied gauche. Ramène le pied droit au centre. Et je croise la jambe gauche devant la jambe droite. Je reprends depuis le début. On y va. 3, 4. Et le heel strut et heel strut et le kick ball side. Le kick ball side et le c'est le k. J'avance. Step, lock, step, scuff, step, lock, step, touch et mon back, touch et coaster, step, out, out, back, cross. Je suis arrivée là, cross, poids du corps du coup sur ma jambe. Oui, c'est la chouchou. Donc, croisez bien la jambe gauche devant la jambe droite. D'accord, poids du corps du coup sur ma jambe gauche. Quand j'ai fini, out, out, back, cross. Poids du corps devant, d'accord, sur ma jambe gauche. Je recule ensuite le pied droit derrière. Donc, je les croise. Je recroise la jambe gauche devant. Et je décroise mon pied droit derrière. Donc, j'ai fait out, out, back, cross, back, cross, back. D'accord? C'est un peu comme un lock, step, lock. D'accord? Donc, un step, lock, step, mais inversé. D'accord? Donc, out, out, back, cross, back, cross, back. D'accord? Maintenant qu'on est bien appuyé sur sa jambe gauche, avec sa jambe droite, avec, pourtant je me touche pour savoir que c'est bien la droite et je dis corps gauche. Jambe droite, maintenant avec la jambe gauche, je viens faire un sailor step, quart de tour à gauche. Sailor step, poids du corps sur ma jambe gauche. J'avance mon pied droit devant, d'un grand pas avant mon droit, et je ramène en drive, donc je ramène tout doucement mon pied gauche. Et poids du corps sur ma jambe gauche. Je refais depuis le début. Partir. Ça va, votre côté? Il faut s'en rappeler. Hein. Oui, je m'en doute. À force de la voir, on l'enregistre. Donc, il n'y a pas de souci. On y va. J'avance pied droit. 3, 4. Et mon heel strut. Et heel strut. Et le kick ball side. Le kick ball side. Et le sailor. Car j'avance. Step, lock, step, scuff, step, lock, step, touch et mon back, touch et coaster, step, out, out, back, cross, back, le C, le K, rampe à droit, rassemble, poids du corps sur ma jambe gauche. Quand j'ai poids du corps sur ma jambe gauche, je viens faire deux heel ball cross du pied droit, heel ball cross, ou un seul heel ball cross, pourquoi je n'ai pas fait autre chose. Heel, talon, ball, cross. Croisez la jambe gauche devant le pied droit. Donc, vous voyez qu'on est un petit peu tourné dans la diagonale avant-droite. C'est pas grave, d'accord? Avec son pied droit, je continue mon tour vers ma droite pour arriver jusqu'à 9h en faisant un triple step demi-tour du pied droit. Triple step. Donc, je suis face à 9h. Je continue dans mon tour vers la droite en déposant mon pied gauche derrière. Poids du corps sur ma jambe gauche. Je recule mon pied droit derrière et je terminerai ma partie par un coaster step arrière gauche. Coaster step. Poids du corps sur ma jambe gauche. Ok? Tout ça, c'est la partie A. Et ouais, il y en a encore 3 à faire. Ça va aller? Oui? Ok, je refais une fois la partie A. 3, 4, j'avance. 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6, je tourne, 7 et 8, j'avance, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8, et 1 et 2 et 3 et 4, tournez, 5 et 6, rempart, 7, 8, et 1 et 2, je tourne, 3 et 4, je recule, 5, 6, 7 et 8, poids du corps sur ma jambe gauche, ça va? Ouais. Ok, on continue. Oh là. Can you speak English, please? Because I don't understand very well Spanish.
Du coup, je sais même pas. Comment est-ce dit où est le bal? Je ne sais pas. Can you translate in English for myself, please? Because I don't know. I don't know this question. Sorry. Encore une fois? Ok. Encore une fois pour Sylvie. Pas de souci. Je sais que c'est complexe, hein, la partie. On y va. Depuis le début. 3, 4 et Ilstrot et Ilstrot et le kickball side. Le kick. Ball side et le c'est le car j'avance. Step, lock, step, scuff, step, lock, step, touch it back, touch it coaster, step. Out, out, back, cross, back et mon c'est le car rempart rassemble. Le heel ball cross, triple demi, recul gauche, droite, coaster, step. Comment s'appelle le bal? La danse, je suppose. Cette danse-là, c'est Untamed. Untamed. Merci. Ok, est-ce que ça va pour la partie A? À peu près. Ok. Maintenant, la partie B. Je vais toujours vous la présenter face à midi. D'accord? Partie B. On va démarrer sur un galop avant-droit. D'accord? On va enchaîner les step, lock, step, lock, step, lock, step. Quatre fois. Pied droit, ça fait step, lock, step, lock, step, lock, step. Puis je change de diagonale, diagonale avant gauche. Le step, lock, step, lock, step, lock, step. Ok? Jusque-là, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, partie B, j'avance, mon step, lock, step, lock, step, lock, step. Change, step, lock, step, lock, step, lock, step. Je viens ensuite croiser ma jambe droite devant la jambe gauche. Je viens pivoter un quart de tour vers ma droite en déposant le pied gauche derrière. Je pivote un quart de tour vers ma droite en faisant un triple step avant droit. Triple step. Triple step avant gauche. Triple step. Et je termine sur out, out, in, in. Avance droite, avance gauche, rassemble, rassemble. Les out. On peut les faire en appui également sur les talons. Out, out, in, in. Ça, c'est vous qui voyez. Sinon, pied à plat, on a les mêmes comptes. OK? Je refais la partie B. On y va. Step, lock, step. Vous pouvez le dire, hein? Ça, je sais dire. Step, lock, step, adelante con pie derecha. Hey! Donc, j'avance sur mon galop avant droit. 3, 4 et mon step, lock, step, lock, step, lock, step. Je change, step, lock, step, lock, step, lock, step. Je croise devant. Un quart et mon triple step, le triple step, out, out, in, in. Ok? Explique catalane. Je suis seulement comme pied derecha, comme pied izquierda. Izquierdo, elle a derecha, elle a izquierda. C'est tout. Tout ce que j'essaie. En anglais, ça va un peu mieux, mais en espagnol, pas possible. Désolée. Ok. Maintenant, on a la partie A dans un coin de notre tête, la partie B dans un autre coin de notre tête. Partie C. Je fais des kickball point touch, c'est-à-dire pied droit, kick avant, ball, je rassemble. Pointer le pied gauche à gauche et pointer le pied gauche à côté du pied droit. Juste ça, pied droit, kick, ball, point, touch. Pied gauche, kick, ball, point, touch. Pied droit, kick, ball, point, touch. Et là, j'avance d'un grand pas avant gauche. Ramène ton pied droit, mais toujours poids du corps sur ma jambe gauche. Donc ça fait partie C. Kick ball point touch pied droit. Et mon kick ball point touch et kick ball point touch et kick ball point touch rempart rassemble. OK? Ça c'est la partie C. Ça, je sais ce que ça veut dire. C'est rahaha. C'est ça. Elle rigole. OK. Je suis interrompue. Ok, peut-être des soucis de connexion. Il faut le temps que ça aille jusque chez vous, hein, quand même en Espagne.
Donc maintenant, partie A, on sait que c'est les Hillstrut et Hillstrut et le kickball side, c'est leur cas. C'est la plus longue, d'accord? Un peu aussi la plus compliquée. Partie B, on sait que c'est les galops. Step, lock, step, lock, step, échange. Ensuite, on a la partie C, ce qu'on vient de faire, les kickball point touch, kickball point touch, ok? Et ensuite, on aura la partie D. La partie D, il faut la considérer comme un tag, si je puis dire, ce qu'on va la faire une fois. Une fois seulement, on va faire la partie D, ça sera face à midi. Et on va simplement faire un jazz box square du pied droit. Je croise pied droit devant, je recule pied gauche derrière, je pose mon pied droit à droite et j'avance mon pied gauche devant. Toujours le poids du corps sur ma jambe gauche pour bien reprendre chaque partie du pied droit. Ok? Ça va, je vous ai pas perdu? Est-ce que tout va bien par chez vous? Il y a tout le monde qui est en PLS et personne qui répond. Attends, partie 1, déçu. Ok. On va du coup essayer tout ça en musique. Bah ouais. Ouais. J'ai essayé, c'est compliqué. Oui, mais il faut qu'on y aille quand même. Hein. Comme on dit, hein, quand c'est ce qui nous fait peur, faut y aller. Hein. Ah oui, je vois que vous m'écoutez avec grande attention. Alors, comment ça va se passer? Ok, donc, on y va en musique untamed, d'accord? Respirez bien. Au niveau peut-être des... Est-ce que ça vaut le coup que je vous dise toutes les parties? Est-ce que vous allez vous en rappeler déjà? Je devrais vous le noter peut-être. Ah oui, parce qu'on voit l'endroit normalement. Je vais vous le noter. Histoire que vous rappeliez un petit peu. C'est pas très compliqué pour se rappeler comment des parties. On l'entend vachement bien en musique. On l'entend super bien en musique parce que c'est des parties complètement différentes. Alors, attendez, je reprends les séquences. Doudoudoum. Ça va? Pendant ce temps-là, vous avez le temps de cogiter un petit peu. Alors, ça va faire A, B, C. Jusque-là, ça va. Ensuite, on va faire A, B avec un restart. Eh ben oui, sinon, c'est trop facile. Je vais dire. Une fois qu'on aura fait son restart, vous enchaînez A, B, C et D. Et ensuite, je terminerai en AB, AB, etc. Est-ce que vous arriviez à voir ceci? D'accord? Donc, je fais ABC. Je fais ensuite AB restart. Quand j'ai fait mon restart, je les enchaîne. AB, C, D. Et je terminerai simplement en faisant AB, AB, AB. Est-ce que ça va pour vous? Ok, parfait. On y va du coup en musique. On voit pas très très bien avec la lumière. Quelque part ici, c'est peut-être mieux de l'autre côté. Peut-être moins de lumière. Donc c'est ABC, AB restart. Donc le restart, il sera face à 6 heures. D'accord ? Et on finira avec A, B, C, D et terminer A, B, A, B. Ok. Let's go en musique. Untamed de Kem. Thank you.
down. Chaud, chaud. Est-ce que ça a été quand même? J'adore. Oui, ok, super. Mais c'est parce qu'il y en a qui le savaient. Il y en a qui s'en rappelaient. Mais c'est bien, il faut qu'on active un peu notre mémoire. Eh bien écoutez, moi c'est sur cette danse assez chaleureuse, si je puis dire, que du coup je vais vous laisser, je vais vous laisser profiter des autres lives qu'il y a juste après, il y en a un qui est en train de démarrer d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller voir également un petit peu ce que les autres font, d'accord, en tout cas j'étais ravie de vous revoir et rire, on va dire ça. Alors n'hésitez pas aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore... qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne YouTube, je remets tous les replays sur la chaîne YouTube et je les efface de Facebook, d'accord? Parce que Facebook me bloque niveau musique, c'est la même chose pour tout le monde. Donc je les repasse sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas en même temps que vous allez jeter un œil au replay à vous y abonner, d'accord? Allez, en attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Reposez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis du coup à la semaine prochaine.